Papa, voici mes deux prétendants dont je t'avais parlé. Soyez la bienvenue. Merci, papa. Merci, monsieur. Papa, je suis Nani, informaticien. Moi, c'est Wame, transitaire au port autonome de Lomé. À présent, je vous écoute. Quelles sont vos intentions? Papa, j'aime votre fille. Je vis modestement. Je veux l'épouser. C'est pourquoi je suis venu vous voir. Transitaire au port autonome de Lomé, j'ai des maisons et des véhicules. Si vous voulez bien, je ferai de votre fille une reine. Une vraie reine. Et c'est pour ça que tu oses jeter le sachet d'eau par terre, dans ma maison. Tu n'as donc aucune notion de la protection de l'environnement. Veuillez m'excuser, monsieur. Mais vous savez, ce n'est pas ce geste qui va aggraver le changement climatique. Personnellement, je ne pense pas que ce soit grave. Des espèces disparaissent et d'autres naissent. C'est le cycle de la nature. Jeter un sachet, ce n'est pas la fin du monde. Et vous, Nani, qu'en pensez-vous? J'espère que consciemment, nos actes personnels nous permettront d'éviter la destruction de l'environnement. Nous devons protéger individuellement notre environnement. Je vous ai écouté. Merci d'être venu. Vous pouvez disposer à présent. Merci, papa. Mais toi, je n'ai pas fini avec toi. Papa, en venant, je vous ai apporté quelque chose. Merci. Et Yannan, j'ai écouté tes deux prétendants et j'ai fait quelques observations. Tu m'as demandé mon avis pour départager les deux. Et personnellement, Nani me semble plus intéressant en termes de qualité humaine. Wamek, par contre, est assez imbu de sa personne. Aussi, tu connais mon attachement au respect de l'environnement. Donc pour moi, Nani est plus apte à prendre soin de toi et à être un bon mari pour toi. Ce n'est que mon point de vue. Et la décision finale te revient.